Qu'est-ce que je fais au juste? Dis-moi ce que je fais au juste. Je t'ai fait quoi? Je te dis que je ne veux plus de toi. Ah bon, j'en ai assez. Ah bon? Ah, tout ce que tu fais, donc tu veux chercher chez toi, quoi? Oui. Tu veux chercher chez toi? Oui. Il n'y a pas de problème, on verra bien. Mais je verrai bien quand tu vas rester chez toi. C'est pas grave, vas-y. Donc tu veux chercher chez toi, non? Oui. Ok, je m'en vais. Sors. Ok, je m'en vais. Vas-y, ouais, c'est pas grave, vas-y. Je m'en vais. Dis-moi ça. Là, t'es chez toi. Sors. Je m'en vais. Y'a pas de problème. Tu veux faire quoi? Je vais passer avec la voiture. La voiture. Donne-moi ma clé. Ah bon, même la clé, tu veux aussi la clé? Oui. Ah bon? Regardez-moi. La voiture. Tu n'as jamais payé au rétroviseur. La voiture. Viens prendre ça. Viens prendre la voiture. Ta voiture, j'aimerais te dire une certaine vérité. Oui. Tu sais, tu es ma grande soeur. C'est vrai que tu as l'argent, tu as les voitures, tu as tout ce que tu veux à ta disposition. Mais c'est pas encore ça le problème. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut, grande soeur. Regarde, tu grandis, tu vieillis même, je vais dire. Et tu ne penses pas épouser un homme. L'argent, la voiture, les héritages, tout ça, tu as pour. Tu cherches tout ça pour qui? Pour tes enfants. Mais avant d'avoir des enfants, il faut épouser un homme, faire le mariage. Et tu penses, oh, là, j'aurai des enfants avec cet homme. Mais chez toi, ce n'est pas le cas. Tu fais n'importe quoi avec les hommes. Tu les insultes comme tu veux. Tu les jettes au dehors comme tu veux. Regarde la dernière fois, Jacques était chez toi. Est-ce que tu l'as fait dans la maison? Tu l'as jeté au dehors. Et tout ça, ça ne te suffisait pas. Tu l'as encore versé de l'eau sur son corps. Ma soeur, oublie tout ça, ma soeur. Là, je n'ai rien. J'ai mon argent. Je ne peux pas me rabaisser aux hommes. Qu'est-ce que tu as? Tu penses que c'est ton argent que tu vas épouser?
ou c'est ton agent qui va t'appeler maman? Oublie ça, ma soeur. T'as oublié ça? Non, non, non. Reviens en toi et pense à ta vie. C'est pas l'argent le problème. Une femme qui a l'argent dans ce pays qui n'a pas d'homme, elle n'a pas de considération. Tu es sans valeur. Ma soeur, oui? Je ne peux pas me rabaisser aux hommes. Oh. Mais moi, je peux me rabaisser. Qu'est-ce qui me manque moi aussi? Parce que toi, ma grande soeur, tu es là et pourtant j'ai un homme. Moi, je ne veux pas ça. Quand ça, c'est la vérité de te dire, moi, je suis ta petite soeur, je vais en France. Pourquoi? Je vais rejoindre mon mari là-bas et bientôt, je vais me marier. Et toi? Et toi, grande soeur? Grande soeur, promets-moi que tu vas te marier très bientôt. Tu me promets? Je te promets. Ok, on y va, je vais rater mon vol. Tu sais, tu sais qu'il y a la galère, mais chez toi c'est le contraire. Tu dépenses, tu sors de l'argent, tu m'achètes, tu me donnes à boire. Et tu es toujours brillant, mais je ne sais pas, dis-moi, quel est ton secret? C'est un secret dans cela. Il n'y a pas de secret. Mais à propos, je t'avais parlé de. D'une voix, moi là. Tu as parlé d'une peau qui était en train de faire le malin, qui faisait cela. Tu veux parler? Elle là. Elle là, elle là, oui, oui, oui. Tu as parlé de. Elle là, la go là qui faisait son malin, qui se basait. Tu m'avais dit qu'elle a refusé, non? Il est encore. C'est elle qui m'a appelé. Elle t'a appelé? Elle m'a appelé. C'est elle qui m'a appelé. Je te parle de quelque chose. Elle dit, tu as pas que j'ai gagné la tombola. Dis-moi la vérité. Je te parle de quelque chose. Chaque fois que je lui parle d'argent, comme ça, elle parle. Le mois dernier, je lui ai pris 1 500 000. 1 500 000? Faut te calmer. Lui, c'est vendredi. Pour le week-end, je lui ai pris 500 000. Juste pour le week-end. Elle a demandé à ce qu'elle me suive pour aller en boîte. Elle dit non. Si elle veut rester une femme au foyer, elle ne doit pas aller en boîte. Elle m'a oublié 500 000 d'aller m'abuser. Oh Seigneur, Seigneur l'Éternel. 500 000 encore? Pour le mois prochain, je lui ai demandé 10 millions. Elle m'a fait un chèque sur place de 3 millions. Un chèque sur place de 3 millions. Là, c'est Dieu qui t'a donné. Maintenant, elle me dit que d'ici la semaine sur prochaine, j'aurai 7 millions. 7 millions plus 3 millions, ça fait 10 millions! C'est l'héritage de ses parents, bien sûr. Non, c'est une héritage. C'est toi Dieu a donné. Dieu m'a été fait quoi? Je suis né pour briller. Il était fait quoi? Moi, il était fait quoi? Ah, tu dis ça, Dieu. Eh, moi, il était fait quoi, Dieu? Tu peux pas me donner des femmes comme ça? Des femmes qui donnent, qui coûtent de l'argent comme ça? Moi, il était fait quoi, Dieu? Je dois aller à l'anniversaire de ma copine. À cette heure-ci? Et il fait quelle heure? 22h30. Quoi? Ou bien tu ne vois pas l'heure qu'il fait? En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Hein? Ça dit à tout le temps. En tout cas, moi je dois aller. Non, je ne suis pas d'accord. Mais si je te refuse, ça c'est par rapport à l'intégrité de l'avant. Chérie, je dois y aller. Parce que c'est ma meilleure amie. Ok, tu veux ou pas, je dois aller. Si bébé nana, mon lit de coucou, gonna wow.
Tu es sûr? Tu es sûr qu'il y a 7 millions là? Ok, il n'y a pas de problème. Alors maintenant tu vas où? Tu vas en ville. Tu vas en ville. Tu vas faire quoi en ville? GG. Mais la fille elle me fout la merde dans la maison. Naomi me fait chier quoi. Matt. Mais des filles de grand type comme ça, tu ne peux t'attendre qu'à ça, hein? Non. Et puis, toi tu vas vivre encore auprès d'elle. Comme si tu n'as pas construit chez toi. Mais ça ne va pas. Mais tu oublies que nous sommes en Afrique. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails avec toi. Tu sais ce que je veux dire. Didier, une fille ne peut pas être autoritaire sur moi comme ça. Ou non, mais c'est trop. Ah, moi, je vais finir avec elle. Ça, c'est clair. Ah non, je suis désolé. Tout ce que je lui ai dit, elle rejette ça. Ben. J'ai déjà trouvé une belle dame sur Facebook maintenant. Oui. Si tu la vois, Djedje. Elle est comme ça. Mais, Max, Facebook, tu dis, hein? Bien sûr. Oh, mais, Max, tu me fais trop rire. De toutes les belles femmes que nous avons dans cette grande ville Porto Novo, tu n'as pas pu trouver une. Et puis, c'est sur Facebook que tu vas trouver une femme. Djedje, il n'y a rien que des belles dames et des belles filles sur Facebook, hein? Ah, c'est pas ce que Youssouf a fait la fois passée et puis s'est fait avoir par un PD. Ça c'est pour Youssouf ça. Moi je suis pas dans cette histoire là. Je jure, pour moi ce n'est pas ça. Moi j'ai gagné la mienne. Une belle dame comme ça. Ça c'est pour Youssouf ça. Elle est belle. Bon, toi mais tu sais que cette affaire de Facebook, je n'ai jamais pris ça au sérieux. Et tu es un homme responsable. Je ne peux pas t'apprendre ce que tu dois faire. En tout cas, je saurai comment gérer cette histoire. De la sortie pédagogique. J'espère que tu as eu ta moyenne pour le premier semestre. Oui. Tu as combien? Ouais. Et tu as déjà travaillé quoi? Toi, tu es content? Tu es contente? Hein? Tu es contente? Tu as 13 et tu es contente? Toi, tu es ma soeur. Les 17 000 francs, c'est pourquoi? C'est pour les chaussures. Chaussures? Oui. Les chaussures. Est-ce que tu as porté la grande à présent? Je ne veux pas porter ça pour partir. C'est rendu ce que tu veux porter? Non. Et tu veux porter quoi? Talon. Tu veux porter? Talon. Quoi? Talon. Talon. Ce que je suis en train de dire ici, de toute façon, ne plus faire 85 000, 85 500.
l'argent, c'est pas comme ça, moi j'ai mon argent. C'est vrai. C'est pas comme ça. Hein. Tu croyais que c'est comme ça, c'est pas comme ça. Hein. Mais tu dis la vérité, hein. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas parce que. C'est pas ça. Hein. Bon. Bon, voilà, 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 100 000 francs, hein. tu vas te déberder avec. C'est ces choses-là. Ferme le portail en sortant. Ah, ça c'est là. Allô, elle est là. Oh. Elle est là. Chérie. Oui, c'est moi, c'est moi. Quoi? Accident. Où? Dans quel hôpital? Non, c'est plus moi, c'est plus moi. C'est pas moi. Vous êtes trompé de numéro. Eh, maintenant, toi qui m'appelles, toi qui m'appelles, comment t'appelles? Ah, c'est pas important. Ok, donc laisse-moi te dire, m'appeler moi aussi, c'est pas important. Tu as compris? M'appeler moi aussi là, c'est pas important. Bâtard, si jamais tu comprends encore mon numéro, toi, ce que tu fais. Mal né là. Tu comprends jamais mon numéro, hein. Comme celui-là. Toi, tu m'appelles pour m'annoncer à l'assistant pour matin là. Mais mal là. Faut qu'on soit parti là-bas. Il m'a fait assez d'ailleurs. Gardien! Oui, patron. Toi, tu sais quoi? Tu sais que je te cherchais, non? Je sais que tu arrives à comprendre les gens, mais après de très longues explications. Tu entends ce que je dis? Oui, patron, je sais. Faut pas laisser mon portail ouvert. Oui, patron. Tu entends? Oui. Je dis même ma maman, faut pas lui ouvrir. Oui, tu entends? Oui, tu as entendu? Oui, patron. Bon, si jamais tu ouvres mon portail à quelqu'un, c'est pas les yeux de filou que tu es en train de faire là, hein. Ah, tu me connais bien, hein. Oui, je sais pas. Si jamais tu laisses quelqu'un entrer chez moi là, et te découper, hein. Tu veux partir, c'est oui. Parti. Hello, looking bad. Laisse-moi te dire, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Hey, ma chérie, il m'aime tellement. Il n'y a pas ce qu'il va demander, il me fait tout. Je suis à l'aise. C'est pourquoi tu m'as vu briller comme ça. Ah bon? Oui. Hey, Jimo. MCM. So, we still have some guys outside there taking care of girls. Mm-hmm. I can't believe it. Ma chérie, laisse-moi te dire. Bientôt, je voyage sur Amérique. C'est pourquoi je suis venue te dire ça. Tu sais ce qui est encore pire? Il m'a laissé 7 millions. Avec moi à la maison maintenant. 7 millions. Ah bon? Are you crazy? Men are wicked. Don't you know? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Men are wicked. Do you remember my baby's dad? Yes. That left me. I took care of this child all alone by myself. This boy loved me now. I'm talking about wickedness. You are talking about the boy loved me. What are you saying? He loved me. Are you crazy? Don't be crazy. Men are so wicked. We'll be right back.
Oui. Arrêtez-vous là. Que puis-je pour vous? Kalito. Oui. C'est elle là, hein? Et puis quoi? Tu ne me reconnais plus? Toi qui? C'est toi qui as loué, c'est moi qui ai loué. Je ne suis pas perdu. Mais je ne te disconviens pas, c'est parce qu'elle ne répond pas. Aujourd'hui, là, nous, on doit faire la vie fatiguée. On doit faire la vie jusqu'à demain matin. Oui, je vais l'appeler, je vais l'appeler. Mais il faut l'appeler. Je vais l'appeler. C'est ça qui est important. Ça sonne? Elle est hors zone. Y'a quelqu'un? Y'a-t-il quelqu'un? Faut essayer, faut essayer. Oui, je essaie. On sort de temps. Ah ma chérie, ça va? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Vous ne connaissez pas la position de ma femme par hasard? Non, elle est plus ici. Elle est partie là où vous avez construit. Regardez-moi bien. Je vous connais.
Le mari de... C'est la tata qui reste là. Comme je vous ai dit maintenant, j'ai cru que vous êtes venu nous rendre visite. Elle est déjà partie. Hein? Elle est partie avec tous ses bagages. Bagages? Oui. Elle est partie comment? Elle est venue avec Bâché, elle a tout pris, elle est partie. Elle a mené? Bâché. Hey Khalid, tu as quoi? Un coup. Amaoukou, tu es encore vivant. Tu es encore vivant. La vie continue. Elle est partie comment? Elle est partie comment? Elle a marché. Elle a pris les bagages là. Et comment nous on veut boire? Comment on peut boire? Madame, s'il vous plaît. Madame. Oui? Ne vous fâchez pas. Oui? Elle ne vous a pas laissé une valise. Valise? L'argent est dedans. Ah, mais monsieur, rien de ça, monsieur. Elle n'est pas dedans? Elle est là. Khalid, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Là-bas, elle n'est pas là. Oh, Khalid, viens, on va partir. Ça, c'est pas ce problème. Tu sais, j'ai 7 millions. 7. 7 millions, c'est pas aussi ton argent, non? Hein? Voleur. C'est pas aussi ton argent. Voleur. C'est parce que tu as mal placé. Elle est partie, viens, on va aller boire. Quand même, il y a un peu de sous là. On peut prendre deux. Khalid.
Bonsoir, ta. Oui, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je voudrais voir Ella. Ella. Voilà. Bonsoir, monsieur. C'est vous et moi qui écrivons sur fils. Thank you.
Ella. Regarde la condition dans laquelle je suis là. C'est avec ça que je vais garder une grossesse. Assez. Ne perds pas l'espoir, s'il te plaît. Du courage. Hein? Oublie tout ça là. Dieu est au contrôle. Tout ça va passer. Hmm? Regarde, le peu d'argent qui te reste. Moi, si j'ai de l'argent dans mon compte, je vais te compléter ça. Tu iras en Europe. Mais là-bas, ça va aller. Et par la grâce de Dieu, tu vas quitter cette chaise. Je suis sûr que tu vas marcher. Ne perds pas l'espoir. D'accord? Tu n'es pas né comme ça, non? D'ailleurs, à partir de cet instant-là, hein, je ne veux plus te voir dans cette maison te peiner ainsi. D'accord? Ça peut aller? Allez, viens avec tes vies. Et j'irai faire la cuisine avec toi. Découragé, tu m'as déçu même. En quoi tu parles? Tu peux pas te marier avec une estopiée. Aïe. Oui, c'est ma femme et c'est mon choix. Non, tu ne peux pas me dire ça. Écoute Rita, ne viens pas ici gâter mon foyer. Tu peux pas me dire ça. Mais c'est Dieu qui t'a créé là, qui l'a même créé. Non, regarde, toi et ton Dieu là, vous avez fait l'erreur. Regarde, regarde d'abord les deux pieds, regarde comment les deux pieds sont. Tais-toi, attends d'abord. Hein? Si les pieds sont tordus, là-bas est tordu, on t'a dit. Ah bon, hein? Ah oui, vous voulez. Non, fait, tu peux pas me dire ça. Regarde d'abord la femme que toi, tu t'es fait marier avec là. Regarde les deux pieds. Comment c'est tordu d'une façon, je ne sais même pas trop.
courage, quoi. Regarde-moi ici. Hey, tu ne peux pas te marier avec une femme comme ça. Oh non, 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 non. Tu vas te marier avec une estopière. Rita, quand tu vas finir là, fais-moi ici pour que je te raccompagne au portail. Grand frère. Oh, vraiment. Oh, qu'est-ce que tu dis, bébé? Professeur, ça veut dire prochainement, l'erreur qu'on est en train de faire est qu'on n'a pas un gardien là. Là, on va prendre un gardien, on met au portail. Et quand on va mettre un gardien là, on met encore un chien ici. C'est pour les trucs de ce genre. Oh, pardon, pardon, bébé, pardon. C'est trop bon, c'est bête en fait. Grand frère. Vraiment. Grand frère. Ça c'est une idée. Non, Rita, viens, viens, viens. Tu vois, non, regarde ici. Là-bas, là, c'est la direction de la gauche. Tu te trompes de voix. Viens. Grand frère. Voilà le portail là-bas. Retourne, voilà. Grand frère. Non, je voyais que tu te trompais. Voilà. Allez. À la prochaine. N'oublie pas de saluer maman, hein. Arrivez là-bas, ok? Dites-la bonsoir de notre part, hein. C'est comme ça, hein. C'est depuis son enfance, elle est comme ça. Et elle a la bouche. La petite fille a la bouche. Moi, je ne savais pas qu'elle a grandi avec ça. Et elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça.
Hey. Attends, de quelle nourriture parles-tu d'abord? Mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es offensé? Évite. Mais je t'ai fait un repas délicieux. Tu apportes. Tu sais ce que je veux? Tu sais ce que je veux? Je ne veux plus te voir dans cette maison. Oui, je ne veux plus te voir. D'accord? Mais dis-moi ce que j'ai fait, papa. Eh bien, tu sais ce que je veux? Tu sais pas ce que je veux? Je réclame le divorce. D'accord? Je réclame le divorce, je te le dis encore. Mais arrête là, oh dis donc. Regarde. Je ne veux plus de toi. Tu as compris? Je te donne une semaine. Une semaine. D'accord? Thank you.
suis là à cause de votre fils. Monsieur ne travaille plus en classe. Lui qui était le premier, maintenant, c'est le dixième. Ça ne va pas du tout. En classe, tu lui poses des questions aussi. Difficilement qu'il va lever le doigt. Et tu le désignes, c'est autre chose. Donc ça ne va pas du tout. Je promets moi que tu vas te marier très bientôt. Tu me promets. Je vais prendre quelque chose. Ça là, je peux t'aider. Quoi? Un papier de divorce? Alors calme-toi, je m'en occupe. Ce que ce matelas a trouvé dans la sauce pour ramasser les moutards dans la main, il me le dira. Mon fils ne ressemble pas du tout à son papa.
quand même ça. Non, franchement, je suis contente. Je suis vraiment contente de toi. Parce que tu t'es mariée. Ah, toi aussi, là. Je on se connaît, on se connaît. On se connaît très bien. Écoute, tu m'as ramené quoi de là-bas? Quand même, tu sais, je sais que c'est le chocolat que tu aimes. Je t'ai ramené beaucoup. Même. Ah, merci. Et dis-moi, où est mon neveu précieux? Peut-être qu'il allait jouer au ballon. Ah bon? Ce petit-là aime tellement le foot. Vraiment? Non, je l'ai déjà rapporté un ballon. Vraiment? Je t'assure, quand il m'appelle au téléphone, c'est pour dire, tanti, c'est le ballon, je veux. Hein? Mais je l'ai déjà rapporté un ballon. Tu es encore dans les polis. Non, tu sais, je suis vraiment contente. Oui, parce que je remercie bon Dieu que tu t'es mariée. Donc quand on m'a appelé que ta soeur veut se marier, le jour elle a acheté bonbons, j'ai partagé aux enfants à la maison. Non. Franchement, et puis ton mari là, il est un bon gars. Je ne mens pas, c'est un bon gars parce que à voir tes conditions, il t'épouse comme ça. Non, c'est un homme à rechercher. Je suis vraiment contente, c'est un bon gars parce qu'au Bénin ici avec cette somme là. Non, c'est bon, je suis vraiment contente. Celui-là, là, il a toujours sa place chez moi. Je t'assure. Ok, mais Dada, tu sais ce que tu fais, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que je fais encore? Mon neveu, il a quel âge déjà? Oh, oublie ça, ma soeur. Non, non, non. Je ne vais pas oublier ça. Moi, j'ai déjà deux enfants. Et pour celui, il est plus âgé que mon aîné. Dada, c'est pas bon. Quand tu grandis, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la famille aussi. Précieux a besoin des petits frères et petites soeurs à la maison. Ma soeur. Oui. J'ai un secret à te dire. Toi, tu as des secrets. Non, même pas. Tu ne me dis pas personne. Tu sais, je suis ta petite soeur, on n'est que deux au monde. Maman et maman n'est plus là. Si je te perds, je me perds moi aussi. Je ne peux pas te vendre, tata. C'est quoi? Quel secret tu as? Dada, il y a personne. Pourquoi tu jettes les coups d'œil? Mon mari est dedans. Mon mari dort. Tu sais que ton neveu, précieux, là, ce n'est pas l'enfant de Matisse. Quoi? Chut. Voilà. Oh. Non, dites-moi, qui peut l'accepter? Avec ce qu'elle a, elle a fait là, qui peut l'accepter? Amor, dia teu unhame do é. Troca da que vende boa, que boa teu unhame. Não, mas como é que eu falo, me toma com. É, voilà. Mas é uma com, nem a dor na sua lado. Beleza, não é a família dele. Se mauvaise que ela é, avec son orgulho. Voilà. Ela gardou um secret de ce genre. A fonte de razão, ela é em train de partager isso avec sa soeur. Qu'est-ce que prouve que sa soeur ne pouvait pas aller dire encore a quelqu'un d'autre? Voilà. Et vous voulez que je garde celle-là dans ma chambre, moi? Donc, précieux n'est pas mon petit-fils. Rappelez-toi, oui. Maman, nous, encore parlé qui me répond. Vous voyez pas que c'est elle et que l'autre, c'est elle qui peut l'accepter? Pardon, mon ami. Papa, il n'y a pas que je vois qui va adorer, mon ami. Et d'ailleurs, il y a une semaine, la sont déjà épuisée. C'est aujourd'hui le juge. Donc, je ne sais pas. En tout cas. Calme-toi. Tandis, elle n'est pas partie. Pas si vite que ça. Votre enfant n'est pas parti. Pas si vite que ça. Calme-toi. Hein? Je te calme. Mais qui est le père de l'enfant? C'est à qui? C'est qui? André! André! Oh, rentrez là. Maman, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez cette tête? Oui, bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? Pardonne-moi. Calito! C'est le père de précieux. Hein?